Hello tout le monde, c'est Humility. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de rejouer avec mon petit Super Mage. Enfin, ma petite Super que j'ai arrêté il y a plusieurs mois parce que j'avais fait la team justement avec Zobal, Xelor euh, et Ekaflip. Donc euh, voilà, j'avais essayé de varier un petit peu. J'avais joué le Steamer avant avec l'Upermage Mage et tout. J'ai toujours joué le Xelor. Mais là, j'ai envie de jouer euh, pas mal de persos level 150 en PvP. Je trouve ça très sympa. Euh, donc, ce que je vous propose, surtout qu'on a testé pas mal de mes persos que j'ai level 200 sauf le roublard qu'on testera je pense euh, d'ici quelques jours, euh, donc j'avais envie de tester l'uppermage en mode haut parce que le combat que j'ai fait avec le steamer euh, avec un, un uppermage O haut justement on avait pas mal conquis et euh, bah, j'aimerais bien essayer, voir ce que ça donne donc euh, il est pas abonné le perso vous voyez en haut euh, pas abonné, il est pas stuff il a rien sur lui ni quoi que ce soit à part des objets d'équipement euh, euh, des objets d'équipement oui Pierre, des objets d'abonnement enfin euh, vraiment c'est nul donc on va aller le stuffer, on va lui donner des des camas, l'abonnement et tout et tout. Donc, on se retrouve d'ici, à mon avis, un petit moment. Une fois que le perso sera prêt, à tout de suite, tout le monde. Voilà les amis je suis enfin prêt C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps Parce que j'avais vraiment zéro idée du stuff que j'allais lui mettre J'ai pris des items à droite à gauche Que j'avais sur mes persos Je lui ai fait un truc Le seul truc que j'ai acheté c'est euh, la feuille de printemps Parce que je l'ai vue en HDV Elle était qu'à 1 million alors qu'elle est vraiment très belle 212 vitalité pour une feuille de printemps Franchement c'est pas mal Alors je sais qu'il y a déjà eu plus et tout Mais franchement enfin, je trouve que le G est très très correct Vous me direz hein, dans les commentaires ce que vous en pensez Mais 212 de vita avec 47 47 et 2 PO dit dommage Franchement ça fait plaisir donc je l'ai vu je me suis dit go euh, j'ai acheté aussi euh, en fait si j'ai acheté quelques trucs mais c'était vraiment pour pas grand chose Le Slip E je l'ai acheté euh, Le seul truc c'est qu'il a pas le C'est Franchement c'est dur de trouver des items en HDV des fois euh, euh, Qui sont vraiment bien FM Le reste on avait déjà le Najano on avait déjà Anno ah, Ancestral on avait déjà euh, le seul truc, ouais c'est, je suis pas fan du cac de la hache du guerrier Zot, mais j'ai regardé un peu sur des forums et tout, et, et j'ai regardé un petit peu sur des vidéos et tout, ils conseillent quand même de le mettre parce que ça vous rajoute un PA donc c'est pas mal et ça fait quand même 423 Vitas, donc c'est plutôt cool. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. On va tester. En plus, ça fait super longtemps que je n'ai pas joué avec euh, l'Upermage. Après, franchement, je suis sûr que j'aurai plaisir à jouer avec, parce que c'est une classe qui, euh, qui demande un petit peu de réflexion, qui tape fort. Enfin, moi, j'aime bien les classes euh, qui, tapent même, euh, qui tapent quand même bien, euh, bien fort. Euh, au, niveau, au niveau, pardon, des... Euh... Des variantes, j'ai mis cataracte, je sais pas combien ça tape, enfin, je sais pas si ce sera vraiment utile, parce qu'en général, on, on est euh, autour du euh, drain... Euh, euh, mais là ouais j'ai déjà fait non ça coûte un petit peu cher ouais c'était des stalagmites on va le mettre là d'ailleurs on va faire ça on va trier par, euh, par coup en PA euh, et du coup euh, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué au hyper mais que juste à voir quelqu'un jouer avec moi hyper match ça m'a donné envie de jouer donc bah ce que je vous propose c'est qu'on va tester en combat ok bah, c'est parti les amis on est contre un Kra level 199 ça commence bien qui s'appelle Suxi euh, donc on va lui dire hello hello alors, c'est vrai que ouais, c'est vrai que je vous ai montré rapidement le stuff. Donc, Najano, Anneau ancestral, feuille de printemps, boneco, cap, de souveraine, cap souveraine du roi V, pardon, Sleepy, re tout le monde, nous voilà donc contre un petit Kra 199 qui s'appelle Suxi, j'ai dit bonjour, c'est good. Euh, je vous ai montré rapidement le stuff, on a juste un muldo, des bottes Godzilla. On n'a pas de bonus de panoplie au final, je trouvais pas ça si intéressant. Même le bonus de panoplie de Godzilla est pas ouf, le, panop le bonus de panoplie de la. Je sais pas comment ça s'appelle, engloutie, a fait 20 chances, 20 agi, c'est pas ouf non plus honnêtement Donc voilà, euh... stuff classique, l'avantage c'est qu'on est en 12-6 donc ça c'est vraiment très bien Par contre j'ai pas des grosses résistances, hein. c'est ça je pense qui va être un gros problème C'est que j'ai 10-13 et là c'est dur, après le reste ça va, 32-24-28 ça va, c'est correct genre c'est pas ouf mais c'est correct Par contre ouais c'est vrai que <laughs> en... en neutre et en terre, euh... ouille, aïe aïe aïe, du coup on y va c'est vrai que c'est dommage aussi qu'on puisse pas équiper l'abyssal. Moi je ressens euh, vraiment un, un problème de pas pouvoir le mettre, enfin un problème. Non mais disons que j'avais plaisir à le mettre avant, c'était vraiment pratique, ça donnait un PA ou un PM constant. Euh, c'était vraiment ouf. Euh, on va faire un bouclier élémentaire je pense. J'ai vu aussi qu'il y avait ce sort là qui tapait assez loin. Ça c'est vraiment ouf sans, sans ligne de vue, c'était plutôt pas mal. On va passer pour gagner des secondes au prochain tour, de toute façon ça sert à rien qu'on qu fasse plus. Euh, ouais on peut faire euh, la brèche là qui coûte 2 PA je crois. Euh, c'est ça, hein Alors 2PA, 2 à 10 ne nécessite pas de ligne de vue. En fait vous faites pas beaucoup de dommages, mais au final vous pouvez placer un état, donc euh, vous pouvez retirer euh, des choses plutôt sympathiques. Euh, ok, donc là il s'est sorti du truc. Euh, on peut traverser là ou pas Est-ce qu'on a la possibilité de traverser Je ne crois pas. Euh... On peut, après se contribut, on peut garder... Euh... On peut se en terre, Attendez, on peut là Eh c'est nickel ça on y va Allez, let's go <laughs> Super, bon, euh, on commence par Stala. à coup de 3 PA. Le drain. Bim. Voilà, 345. Et on fait un petit. Euh, un petit glacier, pardon. Ok, bon, ça commence plutôt bien au final, vu qu'on la rush assez facilement. Par contre, il nous tacle sans problème. Ça aurait pas été si mal. Le problème, c'est que je suis pas R. Hein. Je suis vraiment pas R. Mais ça peut. Euh, avoir... Ça peut valoir le coup aussi de taper R pour voler avec le drain, je sais pas. Je sais pas trop. Ouh, il me tape, hein. Il me tape fort lui aussi, hein. Euh, on peut le debuff, je sais pas s'il y a un intérêt. Ouais, j'aime bien. Débuff la maîtrise. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, le tir crit. Why not Après, on peut juste taper et se dire qu'on tapera plus fort que lui. La cataracte, ça tape quand même pas mal, hein. C'est pas mal la cataracte, là. Et il m'a mis de l'érosion. Ok, donc, euh... ouais, c'est à là, on va voler avec le drain. Et là, on peut faire euh, éclat, à là aussi. Est-ce que c'est mieux ou cataracte Jusqu'à donc ça fait 700 au mini et 902 au max. Euh, plus 2 pa après, où on, où on pourra runi par exemple. On peut genre runi et ça, soit on fait. Donc là, ça fait 400. Ouais, c'est mieux ça, je pense. C'est mieux ça. Voilà, c'est mieux ça. Y a pas de souci. Bon, peut-être qu'on aurait dû le debuff, je sais pas, mais comme il y a le Docoko qui tombe, je me suis dit, il me tuera pas, on l'Emeraude. Franchement, y a pas de raison euh, qu'il nous tue là. Les daguerres Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Hein. Tout à l'heure, il est full crit lui aussi, hein. Tout à l'heure, il m'a mis des bons dégâts quand même, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas vus ces petites daguerres. Ça faisait longtemps <laughs> Ça faisait longtemps Et il nous remet de l'érosion avec la flèche érosive. Il ne les a pas mis au début. Donc euh, il aura pas profité des masses euh, au final de l'héros. Bon de toute façon on va le tuer là on commence par Drain. Parce qu'il est en état haut. Euh, j'ai vraiment envie de cataracte pour voir ce que ça fait ouais. C'est très correct hein. franchement c'est très correct. Allez on lui dit GG. GG on peut réunification de toute façon. Où est-ce qu'elle est qu là réunie elle est là. Comme j'ai changé mes sorts aussi je pense que ça tue. Ouais nickel. Ok, bon bah voilà, on commence un combat contre un 199, on se met plutôt bien. Donc, euh, vous inquiétez pas, hein, je vais faire des erreurs, c'est sûr. <laughs> je reprends le perso depuis un bail. Je sais pas, j'ai envie de jouer des persos comme ça. C'est vrai que euh, dans Defus, euh, surtout le, faire de, le fait de faire des vidéos et tout, euh, me motive à jouer euh, si, euh, si je varie un petit peu euh, les plaisirs, si je varie un petit peu les classes et tout. Donc, des fois, voilà, sur un coup de tête, bah, j'avais envie de jouer Steamer. Je joue Steamer pendant plusieurs jours et je suis à fond avec ça. Euh, hello Hello. On lui dit bonjour à notre ami Blue Any Hill. Et là, on est contre un EK 188. Donc voilà, sur un coup de tête, des fois, on a envie de jouer des classes, on a envie de faire des trucs. Euh, et là, j'avais envie de jouer au Père Donc je me suis dit, vas-y, ça hein, hein, fais-toi plaisir. Faut pas se prendre la tête. Et puis, faut jouer ce qu'on a envie de jouer. Et voilà, ça me coûte rien d'acheter 12 items. Euh, ça me prend un petit peu de temps, mais c'est pas trop grave. Je préfère vous présenter un petit peu des trucs différents. Euh, hello. Euh... <laughs> on fait que des hello là. <laughs> On a dit 3 hello <laughs> en deux minutes. Euh, est-ce qu'on peut le mettre en état, là, lui, directement Je... Le désavantage du mode haut, c'est que vous ne pouvez pas euh, facilement euh, taper à distance. Donc, on va le mettre comme ça. Euh... Est-ce qu'il y a un intérêt à contrib chez nous Pff, On peut contribution, mais est-ce que ça a vraiment un grand intérêt Oui, pourquoi pas. Voilà. Euh, et c'est tout. Je crois que c'est tout. On va faire une maîtrise. Et on va passer. On a volé de la, de la, de la terre. Euh, on a volé de la terre. Non, en fait, on a juste récupéré 50 terres, je crois, avec la runie. On n'a pas accès à toutes les variantes aussi. Hein. J'ai mis donc cataracte, brèche tectonique. Et j'ai préféré glacier que stalactite. Mais faut voir. Faut voir. J'aime bien glacier parce que ça régène et que ça peut être intéressant dans certains cas. Mais c'est tout. Après, je sais pas s'il y a un gros intérêt. On va faire gaffe quand même là, on va pas, on va pas y aller euh, bêtement. Ok, on va tuer peut-être le chaton guérisseur. Il a des faiblesses en R, non Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas de PO là Si, ça. Correct Tac. Euh... Ah, c'est vrai que le, la PO de raf Rafale Transversante, c'est plus si ouf que ça. Donc là, on va faire euh, Runi. On va faire empreinte. Runi, ça le tue, je pense. Voilà. Ok, bon, on s'est un petit peu décalé. Euh, il va pouvoir nous taper quand même à travers, je pense, avec la griffe. On va y aller hein, à ce tour-là. Je vais mettre le bouclier, on devrait y aller. Ok, après, euh, il est en état de terre, c'est pas ouf pour nous au final. Petite roulette, il l'a fait après. Une roulette 400 force. Aïe. <laughs> aïe, aïe, aïe. Bon, on va proc le, le Do Coco au d'après. Où est-ce qu'il va se mettre Ok, il va se mettre ici. Est-ce qu'on y va J'ai un peu peur de, de la roulette là. Hein. Mais bon, d'un autre côté, moi je suis un perso qui tape à distance. Hein. Alors, euh, c'est pas ouf au final. Hein. Tac. On va quand même rester à distance. Hein. Et... On va se mettre ici. On va pas bouclier encore. On va juste mettre une carotte. J'aurais dû le mettre de l'autre côté par contre. Bon, c'est pas grave. Ok bon. On a le do coco qui va tomber au T4. Euh, en fait c'est comme il a 400 forces là. J'étais pas. Euh... J'étais pas hyper euh, content. J'avais un petit peu peur qu'il nous déglingue en un tour, surtout qu'il a tapé terre tout à l'heure donc. Euh... Je pense qu'il va. Oh, que non, il a tapé multi. Alors, à mon avis, il est multi en fait. J'ai dit terre, mais peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il est multi-élément. Il tape O au final. Bon, j'ai quand même eu peur parce que moi j'en ai pas eu l'utilité, mais ça devrait passer. Ok. on va y aller, de hein, toute façon. Let's go. Euh... Alors. Est-ce que on commence par l'Astala Euh. Ouais, de toute façon, c'est ça qu'on veut faire, hein. On va faire ça là. Glacier, je pense que c'est mieux. Ou alors on garde pour le vol de chance au prochain tour. Ouais, je pense qu'on va le garder. Tac. Voilà. Et 333, donc c'est pas mal hein, sur du 21%. Ça reste correct. Donc euh, au niveau des stats, je vous ai pas dit, mais j'ai mis 300 points en chance. Et le reste en vita, donc ça fait 475 en vitalité au level 156. Euh, là j'ai le, le boost, mais sinon je crois que j'ai 600. Euh, j'ai un boost de combien là en chance 230. Donc voilà, j'ai euh, 600 euh, débrouettes de, euh, de chance, plus 200 de puissance, je crois. 215 de puissance. Donc ça, c'est ma puissance normale. Ok, il est, il est multi-élément, ou peut-être OR, je sais pas. Donc là, on va se bouclier LM. Ça, c'est sûr. Euh, c'est bien qu'on lui vole de, de l'intel, ça, c'est plutôt cool. Le contre-coup, ça dure un tour, donc on peut le debuff. Voilà. Euh, et là, on peut. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire un sort qui coûte 4 et puis runi derrière Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal et on va se mettre ici, je pense. Pour éviter de se prendre des dopou gratos, mais ouais. Ok. Bon il est en état haut. L'avantage de l'état haut c'est que là, quand il va lancer un sort, ça va lui faire un autre état directement. Ok, il se donne des crits. Ah, désolé hein, je... <laughs> je réfléchis à... Au Combat et comment ça va se passer, parce qu'au final c'est pas si facile que ça euh, de rejouer avec une classe. Euh... Ok, il se met en état R. J'ai pris cher, hein. euh, même avec les résistances, euh, j'ai pris cher. Hein. J'ai combien 49 et 43 du coup. Là, chaque fois qu'il me tape, ça me réduit de 5% les res. Ok, donc là il a pas de res, donc je pense que c'est le moment où il faut y aller, où il faut se régénérer. Le truc c'est que je le le pas, donc on va taper direct en stala On va faire le drain pour se régène plus après, euh, le glacier pardon, ouais c'est pas mal, et on fait un petit coup, euh... le cac c'est 5, de toute façon on s'en servira à mon avis jamais, voilà 461, ok c'est pas mal, donc une roulette 5 retrait PM, pas forcément incroyable, en tout cas il détaque assez bien, on a combien 38 de tacle, après on n'est pas... Enfin notre stuff a quand même pas mal d'agilité au final, on a, voilà, on a 380 d'agilité donnée par le stuff. Hein. 320, plus le, le différent tacle à droite à gauche sur les items. Franchement ça reste très correct, hein. Il chance là, il a fait quoi euh... Il a fait... Griffe... Griffe de Sengal, Félincion pour se ce régéner. C'est à peu près tout, je crois qu'on le tue, non Je pense qu'on le tue. Ouais, on devrait le tuer hein, sans problème je pense. Okay. Nickel, bon bah deux petites victoires pour deux combats, on est content. Ça fait plaisir. Et la cataracte qui fait vraiment mal pour le coup. Hein. Ça, après ça coûte 5 PA donc c'est assez coûteux. Mais si vous êtes boosté euh, en stats, euh, ça peut faire très très mal. Ok bah super, en plus deux persos qui sont 180. Donc on a 3496, on a peut-être plus que le Steamer, je crois qu'on est dans les 3500 aussi avec le Steamer. Ce que je vous propose, voilà, un dernier petit combat. On essaye de voir ce que ça donne. En tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce petit super euh, mage. Moi, j'apprécie vraiment le jouer, hein. c'est un vrai plaisir. Bon, bah voilà, on tombe contre IOP 200. Ça devait arriver, de hein. toute façon, qu'on tombe contre qu des 200 parce qu'on y est tout le temps contre des 200 avec le. Par contre, on a, voilà, on a 10% neutre, 13% terre, on va jamais s'en sortir. Allô. On va jamais s'en sortir au niveau des résistances. Puis j'ai pas de moyens. Je peux mettre une carapace à la limite. Mais ça fait chier d'enlever de, le stuff que j'ai déjà. C'est pas grave. Ok. Il est peut-être. Bah il est R apparemment. Il est en 12-6 avec 76 de tacle. Il est pas forcément R en fait. Hein. Il se booste en crit. Ok. Bon, donc, on en rencontre vraiment pas mal des Yop en ce moment. Surtout avec l'accumulation. Euh, C'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est pas mal après de voler de la terre. Je sais pas si ça a un intérêt sur la sur la longueur, mais Pff, je sais pas si je m'avance autant en fait. Hein. Je réfléchissais à ça, à la mastral et tout, mais Pff. non en fait on va juste reculer. Hein. Pourquoi je tombe que contre des BL Parce qu'à mon avis il a une côte assez basse, c'est pour ça. Franchement j'ai rien d'autre à faire. On va le laisser venir. Je vais me mettre ici, je pense. Même ici c'est mieux. Là il peut pas venir jusqu'à nous quand même. Ouais, ok, bon ça va. Ok, il se booste. Ok, bon. Là, je pense qu'on va se barrer. On va mettre le bouclier et tout. Là, il se puissance. Après, on peut aussi se dire qu'on se debuff ce tour-là. On va se mettre le bouclier, ça c'est sûr. Tac, on va faire euh, le... le truc ici pour la contrib. Ensuite, on va runi. Hop, on va runi, je pense. J'aurais pas la ligne de vue, par contre, c'est un peu dommage. Euh, je peux pas en faire deux par tour, ok. Et j'ai pas d'intérêt à faire ça. Si c'est bon, je l'ai ici. Je pensais pas que j'aurais l'apo en fait, mais c'est bon, ça passe. Ok, nickel. Bon, il a perdu de la l'apo, mais ça va pas non plus changer le combat. hi bon, et il arrive notre ami, il va souffle. Il va nous casser la gueule. Non, il est haut. Il est haut. Il est haut. On va lui voler de l'eau. <laughs> Génial. Ah yop haut. C'est rigolo ça, franchement. Ah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah ça, ça fait plaisir parce qu'on va lui voler des stats. Par contre il nous tape fort quand même. Et il nous tape fort en plus, il se fait du bouclier à chaque fois. Ok, bon, on y va. Euh, on commence par ça, on commence par ça, enfin on continue par ça. Tac, on fait euh, l'éclat glacé et glacier, hein. je pense que c'est mieux. Hein. Ouais. Voilà, et on reste collé à lui. Euh, on va proquer le Coco en plus, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, il tape pas des masses au final, il fait un petit peu de bouclier, mais c'est tout. Non, c'est très bien, on va continuer de lui voler des stats en plus. Tac. Il a une vita ou pas Non, il a pas de vita, par contre là, il va se préciser. Il va se préciser, donc à mon avis, c'est soit là, il me tue, soit justement, euh, je survie. Puissance, ok, donc il commence par puissance. Ok, une zénith. Il va précis. Je pense qu'il me tue. Il me tue mais ça aura été euh, de, de peu. Sur du 24% je pense. Ah quoi que 7 PA c'est pas sûr. Il va peut-être se vitalité justement. Je pense qu'il va se vitalité. Je pense qu'il va se vitaliter, <laughs> va vitaliter. Va vita, hein, sur la fin. Non il me... Ok il me pousse. Ça me finit pas, il va se barrer. Et on va le traverser et on va le tuer. Et ben voilà pourquoi <laughs> Voilà pourquoi il tombe contre des plus bas levels. Il a dit non, c'est une blague. <laughs> je suis mort. <laughs> je veux pas être méchant, hein. Mais <laughs> voilà pourquoi il tombe contre des bel level. C'est qu'il est bel qu level, level arrive à le battre. Après bon, euh, il a, il a peut-être fait des erreurs. Euh, J'ai tapé fort et en plus je lui ai volé des stats. Donc franchement, eh, je suis trop content. <laughs> Ce dernier combat contre Mitoche. Non, en tout cas il n'y a pas de souci, il hein, n'y a pas de problème. Hein, je suis ça, ça me fait plaisir de tomber contre n'importe qui euh, 150 contre 200. Des fois, je me fais rouler dessus, c'est pas agréable. Mais en tout cas, là, on s'est bien défendu et je suis bien content. Et ça m'a fait plaisir, surtout que début, il faisait un peu le malin et à la fin, c'était un petit peu plus, plus compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'apprécie vraiment jouer des classes comme ça, à droite à gauche, essayer des trucs. Euh, je pense que j'essaierai d'autres classes, hein, de jouer différentes classes. J'essaie aussi le roublard de sang. Il faut vraiment que je m'y mette avec le roublard, surtout que il y a pas mal de possibilités. Euh, Surtout qu'il est, enfin, qu'elle est level 200, Maroublard. Donc, euh, on peut accéder à tous les stuff, euh, tous les exos, etc., etc. Donc, c'est vraiment cool. Mettez des likes si ça vous a plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures demain pour une vidéo euh, annonce très importante et dimanche soir euh, pour un live euh, qui va être vraiment cool. Vous allez voir ça. Euh, je vous annonce ça demain. Gros bisous à tous. Je vous aime fort. Bye bye.